Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de vous raconter mon épreuve, du coup je vais le faire. Alors faut savoir que je suis arrivée en retard parce que j'avais oublié de prendre mon masque et une montre. Bon bref, ça va, genre je suis arrivée un peu dans les temps. Ils donnent toutes les instructions, remplis-les en tête, enfin bref voilà. Ensuite, au moment de retourner les sujets, faut savoir que j'ai des gros problèmes de stress. Et j'ai regardé les sujets qui me concernaient niveau dissertation, parce que je prenais dissertation. Et j'ai direct paniqué, du coup je me suis mise à pleurer, genre la honte putain. Voilà, parce que je comprenais rien. Genre vraiment j'étais là, je comprenais rien du tout. Moi, ce qui me concernait, c'était les fausses confidences de Marivaux au théâtre. Et poésie, c'était les fleurs du mal de Baudelaire. Donc, celle de Baudelaire, genre, je comprenais rien à la problématique. Enfin, en soi, je comprenais, mais j'avais aucun argument qui me venait. Moi, ce que j'ai vu en poésie, c'est spleen idéal et synesthésie. Hop, ciao. Bref, pour moi, ce que j'avais vu, ça avait rien à voir. Du coup, j'ai directé et je suis passée au théâtre. Mon ressort, je comprenais pas trop dans la problématique, du coup, ce que ça voulait dire. Du coup, ça m'a un peu niqué sur tout mon truc, je pense. Du coup, bref, j'ai écrit mes arguments, ce que je pensais, enfin, sur ma feuille de brouillon et tout et tout. J'ai rédigé mon introduction, ma conclusion, mon ouverture. Et après, j'avais même pas des bons arguments. Genre, j'ai juste noté des petits trucs que j'ai commencé à rédiger sur ma feuille. Vas-y, j'écris tout au fur et à mesure. Liste d'em venait, j'écrivais machin. Enfin bref. En fait, je calais des trucs juste histoire de les caler. Je sais même pas si ça avait un rapport avec ma problématique. Mais bon, bref. Un détail. Après, au final, en fait, faut savoir que j'avais pas de grande bouteille d'eau. Du coup, j'en avais pris deux petites. En fait, une fois que la première a été terminée, j'arrive pour ouvrir la deuxième. Et la deuxième, en fait, genre en l'ouvrant, je fous de l'eau partout. Bon, vraiment, genre, j'étais là. Mais t'es trop conne, Roman, t'es vraiment trop conne. Bref, j'avais de l'eau sur ma copie. Bon, ça va, c'était pas aux endroits où j'avais écrit, mais quand même, genre. Et après, sur tout mon brouillon. Donc, j'étais en mode, putain, mais je suis trop débile. Du coup, j'ai essayé de sécher ma copie. Enfin, bref, non, mais un dégât, vraiment un dégât. Je rédige et tout. Et donc, pour ceux qui demandent, fait que le stratagème avait deux fonctions. Que oui, c'était comique. Et après, que c'était pour instruire. Mais je pense que ça a rien à voir, parce que ça, je crois que c'est sur le théâtre, globalement. Donc bref, c'est tombé. Après, je termine de rédiger, je termine ma truc et tout. Après, je suis partie avant tout le monde. Et au moment de partir, en fait, je shoot dans ma bouteille d'eau qui était vide. Et donc bref, là, ça fait gaver de bruit. Et genre, vraiment, je suis en mode, putain, mais la honte. Genre, vraiment, cette épreuve, elle était pas... C'était pas ma journée. Bref, je suis sortie et franchement, j'étais dégoûtée. Genre, les sujets, je les ai trouvés durs et tout, en vrai. Le français, c'est vraiment pas mon point fort. Et comme peut-être vous l'avez vu sur mon autre compte, j'avais dit que genre, vraiment, j'avais une prof et on n'avait pas fait grand-chose cette année. Donc, en soi, bon, je me dis que ça va. Genre, vraiment, ce que j'ai fait, c'est niveau 4e. Genre, un 4e, il peut rédiger ça, quoi. J'ai placé aucune citation. Mes arguments, ils sont... Enfin, mes exemples, ils sont pas... Enfin, ils sont détaillés comme je le pouvais, quoi. Mais je connaissais pas les noms des actes et des scènes par cœur. Enfin, je pouvais pas dire des trucs et tout. Enfin, bref. Du coup, voilà. Bref, j'espère que vous, ça s'est bien passé. Mais bref, un peu un dégât, quoi. Alors, on attend pas Patrick ? Non, par contre, on attend la mort, et avec une certaine impatience.